Bonjour Capucine. Bonjour. Comment ça va? Comment se passe ce championnat? Ce championnat se passe plutôt bien. La météo est certes pas avec nous, mais on sait que c'est un sport où on dépend de la météo et c'est un sport qui nous apprend à être extrêmement patient. Donc je pense que si on n'a pas de patience, c'est pas le bon sport. Il faut changer. Très bien. Alors on parle des épreuves maintenant. Est-ce que déjà pour commencer, il y a une épreuve qui sort du lot à vos yeux ou une épreuve que vous préférez? Alors c'est l'épreuve la plus simple de la liste. C'est-à-dire que c'est une épreuve où il ne faut pas énormément réfléchir. Le directeur des vols qui va choisir une cible et qui va nous l'imposer. Il choisit une cible, il nous donne les coordonnées et donc soit nous on doit décoller d'un terrain commun et aller sur cette cible, donc on est tous à la même enseigne, les chances sont assez égales, soit on doit aller décoller d'un terrain qu'on va chercher nous-mêmes. Aller chercher ce terrain, ça peut être assez compliqué parce que les vents qu'on nous donne au briefing peuvent changer. Parce que souvent, il y a une heure de décalage entre la fin du briefing et le moment où on va décoller. Donc, ces vents peuvent changer. Donc, il faut bien se positionner pour pouvoir arriver sur cette cible de façon assez navigable et au bon endroit. Concrètement, la cible, c'est une cible physique? C'est un endroit où on doit atterrir? Alors, c'est pour ça que je disais que j'aimais cette cible, parce que c'est une cible justement physique qui est marquée par une croix, qui n'est pas une cible virtuelle, parce qu'aujourd'hui, avec toute l'informatique qu'on a, on peut avoir beaucoup de cibles virtuelles. Donc ce serait un point défini à une certaine altitude? Voilà, c'est des épreuves en trois dimensions, donc qui sont passionnantes et très intéressantes. Mais arriver sur une cible, je pense que pour tous les pilotes, ça reste vraiment un moment de bonheur. Et donc c'est l'atterrissage qui compte sur cette cible, c'est ça? Non, on jette un petit marqueur qui est un petit sachet de sable avec un petit fanion derrière. Donc soit on mouline pour envoyer notre marqueur, soit on le jette en gravité de la nacelle. Il manque encore plus de précision parce qu'il faut vraiment que la montgolfière passe au-dessus de cette cible ou au plus près. Voilà, exactement. Mais ce qui est aussi une technique, j'ai envie de dire, plus juste pour les filles, comme moi. Mais justement, on va continuer de parler des épreuves, mais puisque vous en parlez, vous êtes une femme dans un monde essentiellement d'hommes, mais comme plein de milieux sportifs aussi, les femmes sont arrivées un petit peu après. Est-ce que c'est facile pour une femme d'être pilote? J'imagine que dans votre équipe, vous n'êtes pas que des femmes. Comment on se place quand on est une femme dans ce type de compétition? J'ai toujours été très bien accueillie par les hommes au sein des championnats de France de montgolfière. Je ne me suis jamais sentie en décalage. J'ai toujours été beaucoup aidée et ce sont pour la majorité des hommes. En revanche, mon équipe, c'est vrai que généralement, elle est formée de presque, cette année, 100% de filles et souvent, ça peut être 80% de filles. Il y a de temps en temps un homme, mais c'est plutôt une équipe constituée de filles. C'est un choix? Oui, c'est un choix. Aussi parce que j'aime beaucoup l'énergie des filles. On est moins rectiligne dans nos émotions. Et les filles, ça peut monter, ça peut descendre. Comme une montgolfière. Comme une montgolfière, exactement. Et donc, c'est ce que j'aime dans une équipe de filles, c'est de vraiment vivre ce moment pleinement et avec les émotions et les personnalités de chacune qui m'entoure. Et justement, on parle là d'équipe. Comment on trouve sa place au sein d'une équipe? Le pilote, quelle place a-t-il? En fait, c'est le commandant du ballon, mais est-ce que c'est aussi le commandant de l'équipe? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une équipe qui me suit depuis de longues années, donc qui est capable d'anticiper chacune de mes demandes. Et elles sont nombreuses. Et avant tout, pour moi, c'est un partage. Un navigateur a un vrai rôle de navigateur. Et moi, je garde mon rôle de pilotage. Et je trouve ça bien d'échanger, en tous les cas, dans la partie qui est en l'air, d'avoir ces échanges entre nous, qui sont des échanges humains, et de ne pas être juste moi face à tout. Donc c'est vrai que s'il y a une erreur de la part du navigateur, il faut accepter que le navigateur puisse faire une erreur. Et d'ailleurs, le navigateur doit aussi accepter que le pilote puisse faire des erreurs. Donc on comprend que la montgolfière, c'est aussi un entourage. Vous, c'était, je crois, dans votre famille que vous avez commencé. Comment s'est passée l'évolution de simple passager, enfant, à pilote? Dans ma famille, il y a énormément de pilotes.
Donc j'ai été entourée de beaucoup, beaucoup de pilotes autour de moi depuis que je suis toute petite. Et en fait, mon père fait partie des pionniers de la montgolfière. Il a une première licence française dans les années 74, je crois à peu près. Donc il a volé dans toutes les conditions, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il ne fallait pas décoller à midi. Donc aujourd'hui, on ne décolle pas à midi parce qu'il peut y avoir des thermiques. Voilà, on le sait. Mais on sait aussi grâce à eux, parce qu'à cette période-là, ils ont volé dans toutes les conditions. Ils nous ont appris, et donc ils ont appris de ça beaucoup de choses. Et donc, ils ont eu beaucoup d'aventures. Et moi, petite, j'ai commencé à voler. Mon père m'a mis dans un ballon, j'avais 6 mois. Mais c'est vraiment dans le sang, je pense. Ça a toujours été un objectif d'atteindre mes 18 ans et de devenir pilote. Parce que quand on vole avec des aussi grands pilotes autour de soi qui ont volé dans des endroits incroyables, parce qu'ils ont fait tous des voyages magnifiques et volé dans des conditions sublimes. Mon beau-père, il a survolé les chutes d'Iguassou. Ils ont tous fait chacun a fait des vols assez magiques. Donc c'est très impressionnant quand on est petit parce qu'on se demande si on sera capable d'y arriver. Le jour où j'ai fait mon premier solo, j'ai vraiment eu le cœur qui battait la chamade. C'était le moment que j'attendais le plus de toute ma vie, donc c'était chargé en émotions. Après, la compétition, ça s'est fait très très facilement, c'est devenu tout de suite. Parce qu'il faut avoir 50 heures et un an de vol pour commencer la compétition et en fait, on l'a fait tout quoi. Je l'ai fait, je dis on parce qu'on est une dizaine de jeunes pilotes à s'être retrouvés et passer nos brevets avec le même instructeur au même moment. Donc ça a été incroyable parce qu'on s'était tous plus ou moins, on n'avait pas vraiment le même âge. On a pu avoir cette synergie, ce groupe qui nous a entraînés parce qu'il faut quand même, c'est une sacrée logistique de sortir une montgolfière. Il faut avoir une voiture, il faut avoir une remorque, il faut avoir un ballon. Le fait d'être à plusieurs, c'était quand même plus facile pour nous tous de sortir nos montgolfières du coup tous les week-ends parce que c'était devenu tous les matins, les soirs de tous les week-ends, on volait tout le temps quoi. Première étape, être pilote. La deuxième étape, c'est quoi? C'est être propriétaire de son ballon? Justement, on était jeunes, donc on n'avait pas tellement les moyens de pouvoir, même si on avait la chance d'avoir tout ce matériel à notre disposition que nos parents très généreusement nous prêtaient, il fallait quand même l'entretenir, payer des assurances, tout ça. Puis le gaz coûte cher, l'essence, tout ça. Donc on a créé une association. Et pendant plusieurs années, pendant à peu près 7 ans, on a fait des vols passagers, tous ensemble. Tous les jeunes pilotes, on a créé cette association et on volait ensemble grâce au matériel de nos parents et qui au fur et à mesure, ça nous a permis de nous-mêmes nous acheter un peu de matériel. Et puis après avoir deux vies, une vie professionnelle plus des vols passagers, habitant sur Paris, pas à la campagne, ça commençait à devenir un peu fatigant. Donc là, j'ai été sponsorisée par Saint-Michel pendant 7 ans. Qui m'a accompagnée. Ça a été une très très belle aventure qui est finie maintenant, mais grâce à eux, j'ai un ballon parce qu'ils m'ont laissé le ballon, donc ils ne sont plus là pour me soutenir dans les compétitions, mais c'est bien plus que ça puisque grâce à eux, je peux encore voler, j'ai cette montgolfière. Donc à voir lorsqu'elle ne pourra plus voler comment je m'en sortirai, mais, mais voilà. Et puis j'oublie aussi que avant Saint-Michel, j'ai quand même un pilote qui m'a énormément aidée, qui s'appelle Stéphane Bols, et qui m'a prêté pendant de nombreuses années son ballon, qui a été extrêmement généreux, parce que vraiment, si j'ai pu débuter dans la compétition, c'est vraiment grâce à lui. On parlait tout à l'heure de mélanger ses activités professionnelles, vie privée, et la vie avec son ballon. C'est quoi la fréquence? Vivant sur Paris, ça complique un peu, mais bon, nos montgolfières sont en Touraine. Donc très souvent, on peut aller les week-ends, lorsqu'on y va et que la météo est avec nous, on peut voler là-bas. La fréquence, elle est assez réduite. C'est assez compliqué de voler en étant maman, en étant le travail, la vie. Voilà, en règle générale, fait que aujourd'hui, on n'arrive plus à faire le même nombre d'heures qu'on faisait plus jeune. Les heures sont vraiment, vraiment réduites.
On arrive en championnat de France, on a très très... Quand je vois qu'il y a quand même une grande majorité de pilotes qui sont des pilotes professionnels qui font 200 à 150 heures par an, nous, si on en a 5-6, on est très heureux. Et c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas? Ou alors est-ce qu'il y a des petits réflexes qui partent un peu avec le temps, qui reviennent au fur et à mesure? Alors, c'est vraiment comme le vélo, ça ne s'oublie pas du tout. Vraiment, ça revient tout de suite. Non, c'est... Ouais.